Bonjour et bienvenue dans Space depuis l'Observatoire de Genève, la maison des experts en exoplanètes, ces planètes qui sont en dehors de notre système solaire. À ce jour, 3559 d'entre elles ont été découvertes. Mais les scientifiques pensent qu'il en existe des milliards dans la Voie lactée. La première exoplanète qui a été découverte ressemble à ça. C'est une planète géante, gazeuse, similaire à Jupiter, en orbite autour de son étoile. Cette découverte, faite en 1995 par le professeur Michel Mayor de l'Université de Genève, a donné le coup d'envoi d'une révolution en astronomie. Une révolution qui part de l'existence prouvée d'une exoplanète à la découverte de 3559 aujourd'hui, et tellement plus encore à trouver. C'est impressionnant, c'est incroyable qu'en une vingtaine d'années, on soit passé d'un rêve, est-ce qu'il y a des planètes qui tournent autour des autres étoiles, à une découverte d'un tellement grand nombre. Ces 20 dernières années, les chercheurs se sont concentrés à trouver des planètes plus petites, comme la nôtre. Maintenant, c'est des choses très spécifiques qui excitent les gens. Trouver des planètes habitables, rocheuses. Donc des planètes comme la Terre, à une distance de l'étoile telle que l'eau sous forme liquide peut exister. La grande majorité des exoplanètes ne peuvent pas être observées directement parce qu'elles sont trop ternes à voir comparées aux étoiles brillantes autour desquelles elles tournent. Les scientifiques ont développé deux techniques clés pour détecter les objets lointains comme les exoplanètes. C'est ce que nous explique l'astrophysicien français David Ehrenreich. Alors on va faire un petit modèle pour expliquer comment on détecte les planètes. Alors j'ai fabriqué deux boules de neige qui vont servir de... Alors la petite va servir de planète géante, ça va être Jupiter, une géante gazeuse, et voilà son étoile, donc qui est un petit peu plus petite que le Soleil dans le cas présent. Alors la méthode qu'on a développée ici, elle consiste, parce qu'on ne peut pas observer la planète directement, à observer les mouvements de l'étoile qui sont perturbés parce que la planète tourne autour. Et ça, ça va nous donner la masse de la planète. Maintenant, dans certaines configurations, on a de la chance et on va voir la planète passer devant son étoile. Et ça, c'est ce qu'on appelle un transit, une petite éclipse qui va nous donner, qui va nous révéler la taille de la planète. Et c'est ça qu'on va mesurer depuis l'espace avec la mission KEOPS. Et parfois, la planète et l'étoile s'échappent. Voilà à quoi ressemble KEOPS. C'est un télescope de l'Agence spatiale européenne en cours de construction qui sera lancé l'année prochaine. Dans l'espace, il pourra mesurer les rayons des exoplanètes avec une précision sans précédent. Ces données seront ensuite associées aux observations recueillies par le très grand télescope de l'Observatoire européen austral au Chili pour rechercher des planètes rocheuses comme la Terre. Au printemps, le très grand télescope sera encore plus performant grâce à un nouvel instrument construit ici à l'Observatoire. Voilà, entrez seulement, bienvenue dans la salle blanche de l'Observatoire de Genève qui abrite en ce moment même le spectrographe Espresso. Espresso, c'est tout ça, tout ce que vous voyez là, avec l'instrument qui se trouve à l'intérieur de cette cuve à vide. Elle arrive, la lumière ici, à travers cet appareil, elle est collectée, envoyée dans une fibre optique minuscule qui fait l'épaisseur d'un cheveu. Cette fibre optique amène la lumière ici, jusque dans le spectrographe. Et dans ce spectrographe-là, on va prendre la lumière, on va l'étaler en toutes ses couleurs, c'est la fonction même du spectrographe, pour analyser ce spectre et déterminer la vitesse des étoiles. C'est vraiment le spectrographe qui sait faire le mieux aujourd'hui, c'est la Ferrari des spectrographes, c'est avec ça qu'on va chercher les terres habitables, on espère. Grâce à des innovations comme KEOPS et Espresso, on peut s'attendre à découvrir encore plus d'exoplanètes dans les années à venir. Trouverons-nous une autre planète comme la nôtre, rocheuse, avec de l'eau liquide et une atmosphère respirable? C'est un énorme défi scientifique, mais l'astrophysicienne britannique Carol Aswell est optimiste. La variation de luminosité provoquée par le passage de la Terre devant le Soleil est de l'ordre de 1/100 de 1%.
Alors si vous réfléchissez, on doit mesurer la luminosité d'une étoile avec une précision d'un centième de 1% dans un laps de temps de 3 années. Ce n'est pas quelque chose de banal à faire. Je crois que l'on va se rendre compte qu'il y a de nombreuses planètes habitables avec de l'eau sous forme liquide à la surface où nous pourrions potentiellement marcher. Chercher des exoplanètes qui ont les mêmes caractéristiques que la Terre exige une précision extrême, mais les scientifiques du début, ceux qui ont obtenu des résultats, sont aujourd'hui rejoints par des dizaines de nouveaux chercheurs. Ce chiffre-là n'arrive pas tout seul. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine. Un vieux rêve de l'humanité qui maintenant est un domaine qui explose dans le domaine de la science. La Voie lactée abrite des milliards d'exoplanètes, un terrain de recherche infini pour les scientifiques du monde entier. Partons loin des exoplanètes maintenant pour le premier épisode de notre nouvelle mini-série Légendes de l'espace. Tout au long de l'année, nous allons revenir sur les plus grands moments de l'exploration spatiale, de Sputnik à Rosetta. Et ce mois-ci, nous repartons en janvier 2005, quand la sonde européenne Huygens est entrée dans l'histoire. Le 14 janvier 2005, Huygens a atterri en parachute à la surface de Titan. L'atterrissage de Huygens est l'atterrissage le plus lointain jamais réalisé dans le système solaire. Le signal est arrivé avec environ 3/4 d'heure de retard. Donc il y a eu plusieurs moments de stress. Mais lorsque les données sur le canal qui a bien fonctionné nous sont parvenues, lorsqu'on a pu découvrir les premières images, alors là, c'était vraiment magique. Lorsque j'ai vu le premier panorama, j'ai dit mais c'est la Côte d'Azur. Ça ressemble à la Côte d'Azur, mais les ingrédients sont vraiment très différents puisqu'il fait moins 180 degrés à la surface. Donc les collines, c'est de la glace, et le liquide, c'est des hydrocarbures, du méthane et peut-être du méthane-éthane mélangé. Et maintenant, Huygens est à la surface de Titan pour toujours. Et peut-être qu'un jour, une nouvelle mission ira voir Huygens et dire bonjour à Huygens. Mais ça, c'est pas pour demain. Et c'est tout pour nous à l'Observatoire de Genève. Ne perdez pas le fil des infos de l'univers en suivant notre blog sur euronews.com.